Bandi 400 Mao Zoyo kangrené yon citoyen tout vivant nan marché kwa des bouquets. Et citoyen ça selon en pile moun c'est yon innocent, di pa konnen plus à la payer pour casser si là on cousin le te commettre, c'est-à-dire kangrené ou kangrené là c'est yon règlement de compte. M'bra l'expliquer à clair qui sa bagay la yé. Et yon l'autre bord, Mouche Barbecue li dédoublé sous Pierre Espérance et li annoncé li pral campé goumen en face tout moun qui fait le mal, qui la cause, li prend route ça qui c'est route déviance, route gang et gangstérisation journée jodi a. Mais c'est pas l'empile causé et dans cadre émission ça, ou pral gen chance pour capable tendre chef gang Barbecue. Yon l'autre bord, gen trois bandits qui mouri dans Matisan. Yon al mouri dans Tibois, c'est chef gang là même Christac tué monsieur et gen deux l'autre dans Grand Ravine, yo mouri pour question volée et deux dans Grand Ravine yo, c'est ti l'appli qui kay negyo parce que negyo doit yo long yo tal volé mouto dans zone. Comment nous y est, m'pral ba nou tout détail, m'pral parler avec nous. Moi salye nous m'souhaiter que n'ap chambi red pas mouli. Mes chers amis, mouche l'ambo sans jour, Jean elle te paraît sous la rue après tout temps qu'elle te fait en bas la caille dans zone 10000 soa, il prend la quoi des bouquets pour le dit, puis ouyé puis coupé, li vini là pas pour bonne nouvelle dit tout, c'est pas menton. Monsieur fait yon scène criel en dans marché quoi des bouquets. En pile moun a passé à vivre sen nan et en pile moun prend la peine. Mais nous connaissons, bandi sa ou laisse ou même ka ferraye, laisse ou même qui a dirigé en bloc, bagala met formal. Jean pou ta formal ou pa ka exprimer, sinon yo ka fò passe pour victime. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, mes chers amis, yon citoyen selon en pile moun, le ou lem parle avec yo, yo explique m'sak passe ya. En pile moun di son innocent. Mais si pa kont anyen, mais étant donné lien parenté qu'elle gagne avec un autre taureau qui c'est cousin qui t'est touillé yon soldat 400 Maozo, m'pa konn nan ki contexte qu'elle t'est touillé nèg la, est-ce que c'est vel pas de wè bandi ou bien est-ce que c'est discussion qui ont gagné étant donné li konn monsieur nan gang, li konn monsieur nan mauvaise affaire, li descend li avant, mais les cousins fin touillé bandi 400 Maozo, elle connaît son nèg qui choqué le touillé. Ni connaît son équipe qui gagne bois des bandes qui sont gangstérisation qu'elle touye, et bien cousin ça il te prend la fuite, c'est-à-dire cousin enté tout la école dans marron dans optique pour 400 marzo pas de venir jouer ni dans canton pour nèg pas tout passer lui même tout à l'infinitif pour jouer 400 marzo qu'elle tue. Mais étant donné cousin la Richard et puis l'autre citoyen ça qui kangrin nan li même ni connaît pas rien avec negyo qui donc même en matière pénale il dit la responsabilité pénale est personnelle qui donc si grand frère me fait un zak il va pas arrêter me depuis maintenant complicité ensemble avec lui c'est lui qui fait zak li la police a cherché lui pas jeune ni moi même gain tout accès pour marcher librement sinon ka interpeller me dit que ça que me comprendre ça que me connaît tout ça nous va pas arrêter dans place on frère on cousin qui fait on escombre. Eh bien c'est pas comme ça qu'elle lié c'est pas même loi lié pour bandi 400 Maozo yo. Eh bien yo pas jeune cousin après toute recherche qui ont fait dans canton an yo prend l'autre petit cousin hein ils ont prend yo prend monsieur un jeune garçon qui a fleur l'âge qui gagne tout capable dire rêve li devant pour caresser jusqu'à ce que pour venir réaliser. Eh bien nèg go mette 10 fait sur jeune garçon ça tout vivant selon information yo nan mitan marché quoi des bouquets nan capable dire ensuite des règlements de compte yo pas jeune cousin hein yo pour ça dit mal fini pas jeune poule li prend paille. C'est comme ça qu'il est. Mais cousin ça, mes chers amis, monsieur mouri quand grenin, ça te met de l'eau dans Erwan. Et en pile petit machin, t'es obligé à crier. Il y a un pile monde qui connaît monsieur en tant qu'on est paisible qui pas dans un monde. Et bien malheureusement, n'est 400 Maozo yo, de gen mouche la mort sans jouté là en chair et en os. L'ital 600 soldat qui cousin sa cousin victime là. Ils ont pris de tuer ya et bien ou pas jeune cousin yon, yon prend tout ça suite avec lien parenté. Quel gen, même abdine sa clair, nous connaît bandi yo, yon gon jen yon ferraye dans la République, c'est comme si pas gen l'état. M'pa vle exagérer net, m'oblige met bémol, c'est comme si pas gen l'état, mais soit à terre, soit garder évolution dossier, soit comprendre actualité la kainou, ou après que l'état li rete bois croisé. Comme tant de années ça son année électorale, m'pa regarder est-ce que élection marche avec insécurité. C'est celle ça qui m'a regardé. L'autre détail, l'autre information mes chers amis, chef gang Barbecue, et m'a capable dire tout ça que nous gen quelque temps. Depuis nous pas attendel, depuis il était dans coquille, il était dans silence li parce que dit silence fait bruit basse balle, sont comprendre, mais ça pas veut dire qu'il était posé. Non, il toujours à travail, il a fait, on prend la bataille en Delma 6 pour gérer bloc li, pour gérer structure qui porte non G9. Et même monsieur font sortie là. Nous connaît monsieur Gonnex sous quel et s'il joue tout ça, on gagne l'impression vient ça pas gâter. Vient ça, il pas tomber en pourriti, nèg va kangrené le manger le clair.
Parce que pour Jean Barbecue parler, s'il t'a joué Pierre Espérance, en vérité, il t'a croisé avec l'an chez mes jeunes et au Québec, choix le malin. Monsieur t'a fait sale qu'on est le connu ensemble avec Pierre Espérance. Et dans le moment où on parle avec nous là, selon l'information qui m'a gagné, Pierre Espérance pas en Haïti. Monsieur t'a non pays, mes chers amis, côté le mandé asile parce que l'absimi gros menace, parce qu'il y a une menace de mort sous tête li. Selon information qui m'a donné, nous même chercher pour nous, mais qu'on ça toujours au conditionnel. Qui ça va gagner là? Barbecue parler. Barbecue fait qu'on est mes chers amis. Depuis ce nèg qui fait le mal, li en face tout. Il a croisé avec yon dans chemin ingénieur. Li même li dit, li pas nan question mouri bouda, permettez-moi l'expression, après nous le fin cité, après plus de 14 ans qu'il fait nos institutions, côté l'a desservi pays qui s'est protégé puis l'a géré bien moun en parlant de la police là. Est-ce que vous comprenez? Suite avec un rapport que Pierre Espérance met dehors ensemble avec tout nèg li nan complot avec li yo, eh bien yo flanqué Barbecue dehors, eh bien Barbecue dit lui-même, li nan san lan san net, vous comprenez? Et puis il gen san, l'a avancé, mais tout a fait qu'on est pral camper goumen en face tout nèg si la yo parce que nèg yo yo détruit carrière, yo détruit vie politique et sociale li, même petit fi qu'il gen, pa ka jeune yo. En tout cas, mais c'est pas quelques détails dans quelques minutes, on va permettre ou tendez détails si là avec propres oreilles et ou même ou a fait propre commenter pa. On a l'écouté. Et par la suite, m'a tourné pour être détaillé. Maintenant, nous massacrons la Saline. Jusqu'à ce que l'arrivée à révocation. Nous privons de vie familialement, côté que nous ne sommes pas petit, normal, j'aime de qu'on vive. Après, nous privons de tout bagaille, ça. Comme c'est ça, nous pensons que c'est nous-mêmes qui sommes tout puissants. Depuis nous faisons tout mal, nous chitons à vivre bien. Comme si, comme nous voyons madame, nous avons petit aux États-Unis. Nous avons pile corps dans mais nous cachons ticket nous venons nous acheter ticket tout les n'a voyager et classe bourgeois sentir et on ba nous ticket et on ba nous corps pour voyager n'a voler dans l'état nous gien directeur général nous gien ministre nous gien tout bagaille journée aujourd'hui nous apparaît mais même nous faisons tout mal ça et puis m'bra vin camper là tant qu'on ti coden tant qu'on ti poule tant qu'on ti cabrit et puis pour la caca mais c'est mes grands monsieur nous dedans. Les gars nous sont nous, et pour tout le pays en recherche pour le marché. Et nous pensons, qu'on y a, nous venons faire tout mal ça. Dans chez nous, mes gars nous sont nous. Parce que tout le monde paye, quand on est ça, paye pour le lien. Nous faisons ça, vous voulez, nous faisons ça, et nous continuons, et nous continuons et nous continuons. Et nous avons un avec nous aujourd'hui alors. Ma boumé contre système, ma boumé contre mec qui fait ma bio. Ok? M'a dit que l'expérience fait ma bio, ça le fait maintenant. Mais au côté tout, les bien bon moi parce que si l'expérience fait ma bio, ça y est, j'aime comme si ouais, n'a qui pour le système, ça a puissant, et puis je ne jette pas pour me boumé contre système. Non. Et là, une mon père, nous. Pas penser nous c'est pas venir penser celle qui a fait violence. C'est pas celle qui a fait violence. C'est pas celle qui a fait violence. Nous venons nous allier. C'est pas celle nous même. Nous bon pays, t'as coupé y a pour nous seulement lié. Nous bon pays. Kakou, et celle nous qui doit vivre là-dedans. Mais après, madame, il y a un petit lit, il cache à l'étranger. Bon, Reginald Boulos s'est dit qu'on s'est débattu à Espérance 600 000 dollars américains pour dédommager Mounio. Bah, j'aime bien de la presse parler de Baïzan. Bah, j'aime bien de parler de comme ça, on débat voler que les Tipia. Mais papa, chaque fois, mon cher, voler ça, on est bien sûr. Sinon, bah, ça allait gagner lui-même. Mais ça, tellement audacieux. On est volé ça, dit qu'on s'est même le pick-up blanc. Je suis sur manifestation qui a fait un bon. Je suis un bel système, jusqu'à ce que je passe. Je suis un homme de la caméra, je fais un sport. Je suis sur le chèque de l'île, je fais un petit coup. Je me dis que c'est un homme qui a fait un chèque de l'île encore, votre chèque est gros. Ok, m'pense que nous tendez chef gang barbecue qui t'a parlé.
Moi m'a dit nous ça, qui t'ouvre qui t'ou pas vle, depuis on moun, li gen étiquette gang qui donc m'pa pral ou pa pral vinn bon kaka pou l'pouser. Ou pa pral vinn noje ban moi marinade pour faire m'croire qu'elle c'est boulette dit tout. Vous comprenez? Étant donné, yo te met on bail sous dos ou tellement remet ça au met sous dos là, ou tout choisi al fè clan et ou géré yon estikti criminel mafia qui pote non Genève. Si la police a fait travail comme ça doit, côté ou jouer nous toro, yo ta supposé maré ou koure mouche kram. Ça c'est petit point de vue pam concernant chef gang barbecue qui tourne en Jaco et Pedjounen jodia, li fè comprendre c'est révolutionnaire. En yon pa marché, kounyal dou la font travail pays, livre rejoindre Moïse Jean-Charles. En tout cas, Moïse, kale jo parce que Mbalo Bran nan pikan kwen na. L'autre détail, l'autre information, nous annonce nous dans le commencement de l'émission, gen 3 bandits qui arrivé mourir dans Matissan. Gen yon qui tombe en Dantiboa même. Si on reprend, bon, capable de dire plus précisément, dans Fontamara, c'est Mouche Chris là qui crible misye en bas katouche. Parce que, mes chers amis, tout ça, li al volé en batterie nan moment la paix fait nan 3e. Monsieur al volé en batterie et puis les chefs la relé monsieur il dit pour qui ça al volé batterie ya. Monsieur li pa wè ki ça pour répondre chef la dit ici ya là c'est géré bloc c'est géré zone parce que nan moment c'est la paix qui n'a pone nous pas nous aucune question nek k'ap volé a fait moun on bon k'ap fait ti moun et k'ap fait paysan ou bien k'ap fait habitant nan zone yo crier. Eh bien, sortant de là, il dit, monsieur, pas de droit, jamais fait ça encore. Et monsieur, allez pour le courir, mes chers amis. Il bal un bal dans le pied. Après ça, il va recevoir 3 cartouches au niveau de tête. Donc, tête, monsieur, écrasé en bas balle, mouché Chris là. Chris là, tout est monsieur, elle tout dit, c'est un exemple qu'elle trace à clair. Dans le pays de là, pour tout soldat qui a un gros temps pour aller voler, à faire moun, pour aller faire mauvais actes qui pas cadré avec. Et démarche la PA, et bien c'est même petit bagaille là, caprivo. Bakadou, si c'est une copie et mouché grand ravine dans lui-même, l'état fait sous Chris là, s'entendez à gen même, et m'gabab dit, pimpin plan, qui déclenche en d'un grand ravine. Côté chef gang Tilapli, qui gagne 2 soldats, attendez bien mes chers amis, li gagne 2 soldats. 2 soldats sa yo al volé en moto. Vous entendez? 2 soldats sa yo al volé en motocyclette nan mon ti malere kap bouske la vi kap essaye bat do pou fè bè ou bien capable di kap essaye trier farine France nan bicarbonate l'el pa jwenn pou trier farine France nan bicarbonate la l'oblige ap trier l'huile nan glo a di pou moutro tellement baga la difficile pou li nan la ri ya et bien soldat gran avignyo yo braqué misier a les âmes sou li et puis pran moutou a étant donné zone nan li gen met. Et puis mouche ti la pli gen zye sou soldat yo parce que si nèg wap fon achat fòl au courant sinon c'est un vol ki liye. Et bien lè ti malèri a on prend des bouche en bouche pour l'arrivé nan bouche ti la pli. Vous comprenez? Et bien ti la pli questionner nèg yo pour ki sa yal volé moto, nèg yo pa jwenn aucune parole pour ta capable di convainc chef gang ti la pli. Ti la pli dit lèn bezon bagay, moi même gen tout moyen pour me vivre jusqu'à la mort. Comme là, je ne peux pas bien en jouer parce que je suis en mauvaise affaire. Mais l'un besoin de bagaille, nous capable de solliciter. Ça ne veut pas dire que je suis mais chance, ou quand j'ai une chance, je suis en demi, je suis en somme tout, nous avons juste besoin de besoin. En moto, ça n'a pas fait ni chaud ni frais pour ne pas faire cadeau en moto tout neuf. Sortant de là, après, mon chéti la bifine dit, l'un besoin de bagaille, c'est chef là pour moi, c'est moins pour moi, tous les deux négos, balle dans la tête. Qui donc, ça fait au total 3 soldats qui tombent. Nan 3e la. Yon nan Fontamara et Delotio en dan Gravine. Baga la compliqué. Si yon tout te kal tombe nan vol et puis sortant de la, yon wan chef te bon sa tue tout et puis yon dernier moment, chef la tellement senti le tombe à ket soldat et puis gere bo et puis pren même zam sa le ko bot et li tra son exemple tout, le sa m'pense ni tabagri on man non soulagement. Parce que j'en baga la et la, en vérité pour moi même c'est celle bon Dieu ka di yon mou. Pas bien. 2022, sinon, je dis à nous de gagner, on rentrait parlementaire. Mm-hmm. Donc, Bono, comme monde qui travaille sur question ça, comme monde qui est très proche à Parlement, bah, c'est le gain assez de légitimité et de compétences nécessaires pour les effets nous éclairer sur ce sujet ça. Merci, monsieur Bono, bah, on est sur mon dernier mot à rajouter. Bon, alors, dis-nous tout merci. Bon, belle équipe, chaque matin de nous. Continuez comme ça, analysez toujours correct, recevez un pile invité. Eh bien, dis-nous merci pour l'opportunité. Ça nous donne moyen de temps en temps pour me parler sous Caraïbes. Et m'a continué avec nous à chaque fois qu'on question d'intérêt national. Eh bien,
fort d'expérience pour moi, en trentaine d'années. Dans le métier TIAM, j'ai environ 32 ans comme journaliste, je travaille dans plusieurs médias, et c'est avec plaisir que je vais toujours répondre à plusieurs médias, et notamment Caraïbes, pour des questions d'intérêt national, pour me capable de faire lumière, ou bien porter tout ça bien comme éclairage femme, comme expérience pour moi, pour me capable d'éclairer l'opinion publique. Merci beaucoup, M. Bodo. Voilà, merci. D'accord. Voilà. Dans le même chapitre, ça, guerrier du seul, nous avons parlé avec Gédé Urgent, qui est secrétaire exécutif CAD. CAD n'a pas rappelé ses centres d'analyse et de recherche en droit de l'homme. Il y a même tout qui fait sortir là mon troisième rapport thématique sous question mandat constitutionnel élu nous, notamment soutien du Sénat. N'a pas songé, CAD était déjà lui-même sorti deux rapports sous question ça. Tu gagné un débat sur deux premiers tiers yo, et gon troisième tiers là qui était arrivé à terme n'a songé le 8 janvier 2018 et pour nous répéter cadre et deuxième tiers là le 13 janvier 2020 yo était élu pour te combler deux vacances toujours d'après cadre Sénat lui-même était conclu un accord politique avec président Jovenel Moïse et cadre qui parlait pour être capable kembé troisième tiers Sénat jusqu'à janvier 2020 ça a qui signifie que était reconnaître que fait mandat yo. En parlant de tiers et Sénat, ça, eh bien, il est arrivé en janvier 2018 et par conséquent, deuxième tiers là, lui-même, t'as dû prendre fin le 13 janvier 2020. Donc, cependant, si et cadre lui-même considéré échéance constitutionnelle, yo, mandat de tiers, ça, yo, t'es dû arriver à échéance en 2017 et en 2019. Voilà, avec la fin du mandat et tiers, ça, débat, li et vin sous table là encore, sous question échéance constitutionnelle, yo, dans ça qui concernait élu, nous, yo, notamment député, président, sénateur. Maître Gédéon Jean, nous gagnons en ligne. Merci parce que vous choisissez mes tours disponibles pour Caraïbes FM. Bonjour et bienvenue dans le journal Première Occasion. Bonjour, c'est un grand plaisir que nous, avec tout, nous capables de toutes les contributions dans le débat. Et bon, saluer. Et M. Bono, qui sont nos amis, et qui pas jamais discuter, mais pour partager et compétences, expériences liées avec CAD dans différentes réflexions que nous avons fait sur des questions, notamment les questions constitutionnelles. Et CAD sous troisième rapport, sous question mandat constitutionnel élu nous yo. Donc, jeudi à CAD vini sous table débat avec un autre rapport thématique. Mais avant de rentrer dans le rapport, moi, je voulais demander, est-ce qu'il y a un commentaire sous précision que M. Bono se portait à l'heure par rapport à mandat sénateur, il dit, logiquement, c'est pas le deuxième lundi, mois de janvier, mandat ça arrive dans le bout, mais plutôt décembre 2022, que ce soit 31 décembre. Est-ce qu'on commentaire? Non, analyse, M. Bono, correct, comme journaliste qui a une connaissance sous question. Et d'ailleurs, nous-mêmes, dans le cadre de notre travail sous trois rapports thématiques sous mandat élu, son approche croisée, nous prenons deux monde qui gagnent expérience comme M. Bono, qui suivent questions comme journaliste, qui est un monde qui maîtrise les questions élections en Haïti, questions échéances constitutionnelles, etc. Et puis nous ajouter d'autres expertises, compétences dans la question de droit constitutionnel, dans la question de l'international, etc., avec d'autres fonctionnaires, et puis ça va peut-être nous produire des réflexions. Qui baille au sort de directives pour éclairer l'antenne sur question. Par exemple, tiers dans sa commande à fini jeudi, eh bien, pour un pile monde, c'est à partir du troisième rapport thématique cadre qui est venu comprendre la question. Parce que lorsque deux tiers sénat est parti le deuxième lundi de janvier 2020, donc, puisque la Constitution dit le mandat, en fait, le Sénat se nouvelle partir tous les deux ans. Donc, Gampin, on te dit, mais logiquement, c'est en 2022. Mais nous-mêmes, qui travaillons sur la question de code de vie académique, dans la garde des questions et nous faisons un approche stricte de la Constitution, nous voyons que ce n'est pas le fait que Gontier qui est allé en 2020 et que Thierry Samandal est arrivé à terme. Non, c'est parce que, comme c'était une question de renouvellement, donc automatiquement que Guéon Thierry et que qui sortit dans l'élection son renouvellement, eh bien, nous viennent que c'est pour 6 ans. Donc, ce bazar nous était conclu selon la Constitution, et puis nous était ajouté également échéancier qui est défini par la Constitution. Parce que, en fait, lorsque nous n'en droit,
doit lui-même ni fait pour régir réalité. Ce n'est pas réalité qui là pour encadrer droit. Ce n'est pas inverse là. Et ça fait droit un ensemble de logique au-delà de texte qu'on est capable de lire. Mais que gens pour raisonner en tant que juriste, par exemple, pour chercher, par exemple, l'esprit de un texte pour comprendre. Et l'on parle de l'esprit un texte de loi, c'est pas ça mon abdi, mais c'est par exemple étude qui était précédée texte, par exemple, qu'il faut comprendre texte ça, c'est débat qui fait en parlement. Bon, c'est pas surtout parlement par nous, par en fait parlementaire par nous, pas vraiment fait type de débat ça, mais son démarche académique pour moi comprendre texte, ça veut dire qu'il y a plusieurs façons que raisonner, par exemple, doit créer fiction juridique. Donc ça veut dire que lorsque réalité à lui-même, ok, les non situations côté que en fait, les variés, c'est-à-dire politique, yo, y a fait mettre Damien fait tout ça après, mais droit lui-même il était stable, ça fait que on doit créer ça que nos fictions juridiques côté que lorsque dans la réalité, ok, nous-mêmes n'a pas essayé varier, soit n'a pas fait des détours, mais doit l'être stable pour garder ce que nous relais ordonnancement juridique là stable. Donc c'est pour me dire que et moi parfaitement d'accord avec M. Bono pour ensemble d'éléments d'éclairage qu'il va y avoir. Mais sauf que bon élément, je pense que qui échappait listé sous question deuxième lundi mois de janvier, c'est que article alors les évoquant dans la Constitution, sous par exemple article 92.1 de la Constitution, qui dit que les députés entrent en fonction le deuxième lundi du janvier, issus leurs élections, etc., etc. Donc deuxième lundi janvier, et c'est là ça il fait une validation du pouvoir. Ça me conçut, et c'est là ça a député, sénateur prêté serment. Donc ces dates-là y ont entré en fonction. Donc si ces dates-là y ont entré en fonction, eh bien en termes de procédure de administratif, donc lorsque vous prêtez serment, c'est là ça où habilité pour exercer l'endroit impérieux. C'est-à-dire là ça y investit de pouvoir. Bon, son débat nous parle fait avec M. Bonneau sous deuxième lundi du janvier. Mais c'est date-là, mandat a commencé parce que c'est le ça au prêté serment, c'est le ça au valide pouvoir de ce quoi constitution les consacrer date-là. Et puis à l'interne également, parce que parlement lié des règlements internes, des textes internes, c'est pas seulement la constitution, c'est sûr que parce que texte a yo consacré data que c'est le ça yo fait prestation serment, yo fait validation de pouvoir, mais c'est ça me conçue, si me trompe peut-être qu'on sénateur qui était capable s'taver et mettre lumière sur ça. C'est seulement ça, mais parce que intervention monsieur Bonnoir, comme l'accoutumé, c'est toujours des bagailles qui m'ont dit que pour nous écrire, pour nous comprendre ces deux bagailles, puis c'est une histoire, ouais. Parlement, une histoire. Mais Gédéon Jean, nous sommes en 2022, tu as gagné un débat, et est-ce que sénateur qui allait hier ou bien qui allait dans le temps de la lutte, qui est minuit, tu as dû aller 2022 ou bien tu as dû aller 2023? Et en plus, le monde croit que Ariel Henry a entourage, il était souhaité et mettre fin depuis janvier 2022 à mandat à sénateur Sayo de manière manu militariste, il a dit comme ça. Mais au dit international, tu es intervenu à haut niveau pour te dire non, pas de question. Donc, que monsieur Ariel en 2023, dans le temps et tout ça qu'a dit autour de aller venir ça, dans la question mandat élu nous, donc qui côté cadre lui-même li situé. Autrement dit, qui regard cadre sous des bazar. Bon, regard nous toujours porter lui à partir de papier, à partir du rapport qui était dans catégorie rapport thématique, yo, et nous t'expliquer ça clair, et c'est seul document qui était disponible qui t'expliquait que et terme qui t'expliquait que mandat de Sénat ça c'est 2023, et c'est document ça qui te permet que ce soit corps diplomatique là ou encore de d'autres personnalités de la communauté académique et autres te comprendre et question rapport ça t'est publié le 3 janvier 2022 discipliné mandat constitutionnel des élus le tiers du Sénat. Donc travail, c'est un travail qui est expliqué que pour capable prendre une approche qui est basée par exemple sur le renouvellement, soit pour renouveler en tiers Sénat, et bien tiers ça les mêmes les pour 6 ans. OK, par contre si son vacances par exemple que c'est sur la vacance et le ça et mais tiers Sénat ça les peut compléter et mandat ouais pour le finir. Donc c'est des questions que nous traiter en des termes très clairs, et puis nous établi pour tout le monde et échéance constitutionnelle. Donc c'est important. Donc c'est pour faveur pour voir Ariel Henry a été fait, monsieur, là où tu as accepté pour y aller en 2023.
Non, c'est pour nous-mêmes, c'est droit à faire. En tant que tecteur, en tant que organisme académique, nous-mêmes, nous avons gardé qui ça la loi dit, nous partons, on est que ça capable de la réalité, nous gardons texte qui ça dit, nous fait appel à des experts, et puis nous analyser, nous produire des réflexions, et puis nous remettre au point de vue, ouais, même si on se questionne mandat constitutionnel présidentiel, là, eh bien, et c'est ce qui publiait le premier rapport qui expliquait, par exemple, que mandat président Jovenel Moïse, selon la Constitution, j'ai bien dit selon la Constitution, était arrivé à terme le 7 février 2021. Donc, son question, puis ma académique, mais comment en Haïti, en fait? Parce qu'en Haïti, nous pas gagné. Et une raison qui explique la situation que nous vivons là, c'est rapport autorité avec le droit, avec la norme. Il n'y a pas respecté la loi. Parce que le droit, c'est la procédure, la gouvernance. D'abord, c'est la forme. Donc, la Constitution dit, eh bien, le président lui prête serment le 7 février. Eh bien, il faut qu'il organise l'institution, il faut qu'il organise la vie politique là, pour que nous soyons capables, le président lui prête serment le 7 février. Maintenant, si nous-mêmes, dans la réalité, nous avons fait politique à Haïti, nous avons fait tout ça, nous connaissons, mais ce n'est pas la loi. Donc, on a été un problème de Constitution, fondamentalement. C'est pas ça, bien fondamentalement. Parce que, ou mettez pour la constitution, 5e République là en France, ou pour la constitution américaine qui subit plus de 20 amendements ou avec des Haïti. Donc, il pas respecté parce que nous, pratique, nous pas qu'on respecte la loi. Mais, l'autre raison, comme juriste, ou pas besoin qu'on ça, on a fait dans la réalité. Nous-mêmes, nous avons une façon que nous raisonner en tant que juriste. Et ça fait nous avons un ensemble d'instruments pour nous raisonner en tant que juriste. Par exemple, article 74.2, l'institution a demandé à résoudre le problème. Non. Parce que nous avons fait débat avec M. Bono, il a dit de me comprendre la question. Mais fondamentalement, qui a expliqué l'amendement? Il y a une raison fondamentale. Eh bien, c'était pour harmoniser le temps constitutionnel avec le temps électoral. Non. Ça veut dire que ça, lorsque dans la réalité, nous n'avons pas organisé l'élection à temps, maintenant, pour ne pas déranger l'ordonnancement juridique, comme d'accord, l'ordonnancement constitutionnel là, eh bien, il vient avec deuxième alinéa 134 là, qui vient créer ça, il y a une fiction juridique, c'est-à-dire un procédé qui permet que, le même que dans la réalité, ok, nous situation variée, mais droit était stable pour garder l'ordonnancement juridique là. On peut par exemple, Caraïbes FM qui sont, qui, en fait, on nous prend édifice là. Mais il y a un ensemble de piliers, de poteaux qui kembel. Lorsque le tremblement de terre, l'édifice là lui-même l'a bougé, mais le poteau a resté stable pour le kembel, l'édifice pour ne pas tomber. Mais c'est faire ça pour nous comprendre que l'on a raisonné en droit. Donc ce n'est pas seulement ça, le texte l'a dit, mais il y a l'esprit texte qui est capable de chercher pour comprendre. Et mais c'est qui doit le chercher. L'un de l'esprit texte, ce n'est pas ça, j'ai dit, non, c'est étude qui précède le texte. Parce que Haïti, c'est un pays moins que bon texte de loi qui va avoir étude qui précède. Tout texte de loi. De études qui précédent lorsque gain de complications laisse ça monde qui habilité pour interpréter texte capable aller dans étude là ça c'est une côté qui vient l'esprit texte pour comprendre d'une autre côté capable aller c'est débat c'est son texte voté par le au niveau du parlement donc gros sap de commission qui te travaille gros sap de débat au niveau qui t'a dû faire laisse ça là pour aller essayer comprendre ouais là donc mais malheureusement en Haïti c'est politique aérie et qui mettait nous là. Si nous vivons aujourd'hui, nous pas gagner pièce élu parce que bon, d'après des Johnny Ferdinand, c'est correct. Et élu, ça n'a pas été le pays en rien. Son réalité. Mais si nous avons fait promotion de démocratie, nous connaissons que faut que l'institution existe. Ça veut dire que nous avons toujours des problèmes avec eux. Mais il faut que nous préservions l'institution. Et c'est une erreur qui fait 86 à mon sens. Nous combattons du Valais, nous combattons avec toute institution. Donc, nous casons le pays. Or, ne pas parler de démocratie, il faut avoir cet élément à l'esprit, d'emblée, d'entrée de jeu, les institutions. Pas que démocratie, c'est une institution. Démocratie, c'est pas un monde. Parce que tout le monde est configuré même gens. C'est l'éducation qui a fait mon agir différemment. Okay? Donc, c'est l'institution qui est là pour faire respecter le droit. Eh bien, après 86, nous pas consolider, nous pas créer une institution nécessaire. Un peu exemple. La Constitution prévoit la création de l'institution de conseil électoral permanent. Dans quel pays, pour pas une institution permanente pour organiser les élections? Et bien, du coup, après plus de 34 ans, à chaque élection qu'elles sont on négocie le conseil électoral. Chaque membre dans le donc, instabilité politique, élection pas qu'à faire à temps. Donc, je dis à c'est que une leçon que nous devons prendre avec nouvelle autorité, même d'accord avec M. Bono à 100%, faut
nous éduquer moun yo pour connaître pour nous pour moun yo connaître qui moun y a choisi. Et moi pense que média yo gagne un rôle majeur pour jouer dans ce sens là. Aider moun yo comprendre ça que le droit de vote. Lorsque votons moun mais pour son de moun nan. Faut que nous gagne des autorités compétentes, c'est vrai que la constitution d'accord avec monsieur Bono. Pas une constitution de la démocratie moderne qui dit que pour mon sénateur président faut qu'il ait un doctorat etc. Non, pas besoin de cependant dans tout pays sérieux il y a organisé la vie politique donc au monde qui prend nos élections sont monde d'abord qui passe en dans parti politique donc déjà en dans parti politique là c'est là que capable faire concurrence capable faire l'élection primaire par exemple et bien au gain de monde non seulement conformé mais des monde qui compétent ouais et c'est où d'un côté pour nous poser problème là c'est au niveau des partis politiques pour des partis politiques modernes en Haïti du coup bon nous connaissons la réalité là et bien tout qu'on capable de président sénateur premier ministre dans quel pays où t'as des monde sénateur député ou pas jeune pas pour monde voir président c'est pour important des monde. Donc, c'est résoudre une véritablement construite démocratie, démocratie sans institution. Donc, ce qui a nous une situation, bon, c'est vrai que depuis le deuxième lundi de janvier 2020, le 13 janvier, nous sommes sortis du processus démocratique. Pour ça, je dis ça, parce qu'en Haïti, nous pouvons construire démocratie. Ah, ça est important. Nous pouvons construire démocratie. Nous avons un processus pour aller vers la démocratie. Sinon, nous n'avons pas besoin en termes d'acquis. Les grandes libertés que nous utilisons mal. Mais par contre, pas de démocratie en Haïti. Mais donc, 13 janvier 2020, nous sommes aussi de processus, puisque nous gagnons un chambre député à Madal Fini, pas d'élection pour remplacer lui. Nous gagnons deux tiers sénat à l'essentiel, pas un débat, parce que nous avons gardé les signes constitutionnels là. Et bien, un tiers qui était fini en 2017, pas en 2019. Mais son accord, UTIF. Alors voilà, c'est ça, toujours un accord pour nous faire, ouais, en dehors de la loi. Donc son accord qui était fait avec Terre, c'est là qui était par exemple dans le cadre de la pour le territoire 2020, son accord avec le président Jovenel Moïse. Donc c'est la preuve que M. Trouvel, vous connaissez que le mandat est fini bien avant. Ouais, donc c'est toujours un accord. Donc deux tiers allés, on prend réalité, hein, c'est que deux tiers allés en même période, ça. Du coup, on vient gagner un parlement qui dysfonctionnel. Donc, personne qui était là, nous même pas principe, nous défendons principe, mais c'est pas en vrai un bagaille qui était utile pays. Donc, son parlement qui dysfonctionnel depuis le 13 janvier 2020. Donc, ça, son accord vraiment à processus démocratique, puisque. Élément qui toujours caractérisé un ensemble de pouvoirs qui succédaient notamment pendant la dernière année, ça y est, que pas jamais qu'arriver à organiser élection à temps. Par exemple, sous Jovenel Moïse, il y a une échéance électorale, c'est 2019. Donc, entre 2019 et 2023, donc pas jamais qu'il y a aucune élection qui organisée en PIA. La réalité, j'en lié à Jodi à la, qui ça qui a fait? Parce que ça nous a pris à aller toute théorie, sa constitution 1987 l'a dit, ça a précédé. Maintenant, par rapport à ça, nous avons là comme tableau. Qui ça qui t'a dû faire pour nous capables d'arriver à harmoniser tant électoral là avec tant constitutionnel là? Parce que nous sommes tous d'accord que yon nan meilleure façon pour nous arriver à mettre le pays à souveraineté démocratique, c'est recamper l'institution. Pour nous recamper l'institution, il faut gagner l'élection. Nous avons qui ça qui a fait pour nous arriver à harmoniser ça, tant électoral là et tant constitutionnel là? Bon, qui ça qui a fait? Et la Constitution, elle fait ça déjà. C'est une partie de ça, nous, là, parce que pour que l'autre Constitution adapte, c'est l'ingénieur. Pour que ton problème, ça résoudre. Maintenant, c'est dans la réalité à pour aller. Il faut regarder le comportement acteurs politiques, parce qu'ils sont jeux de coquins, sont jeux de dupes à théâtre, on a trompé tout le monde, sont jeux de mesdames. Or, si nous utilisons l'analyse des rôles, et pas moi-même qui vais agir, c'est pas où, ou même qu'un journaliste pour là pour faire analyse, faire débat, bailler orientation. Mais moun ki la pour agir d'abord, c'est moun qui gagne l'État dans main. C'est eux-mêmes. C'est moun qui a dirigé le pays. Ce sont les partis politiques. Donc c'est eux qui pour entendre yo, ok, pour respecter les principes. Mais est-ce que vous parlez bon matin, vous respectez? Parce que ça est important, oui. Et lorsque dans la pratique, ou pendant 40 ans, 50 ans, ouais, nous faisons pas gagner respect de la loi Nadia. Nous qui gens, vous pouvez respecter la loi. Mon cher Simon Baye, quand tu as fait Kounia, honnêtement, il faut nous lucide. D'abord, il faut le passer par l'éducation, il faut qu'on l'autre génération. Parce que politique, quand j'en fait pendant au moins 34 dernières années qui sont passées là, regarde même c'est politique m'a fait. Politique veut dire me tromper l'autre temps, me faire quoi me fait tout bagarre pour me prendre pouvoir. Je dis regarder ça qui passe. Imaginons que bientôt, premier ministre Ariel parle un an, 6 mois au pouvoir. Donc, c'est dans la réalité. Il existe la double fonction de l'exécutif, c'est-à-dire c'est à la fois de la réalité, c'est un président et un premier ministre. C'est une réalité qui épouse ça. Nous avons une situation exceptionnelle. Mais,
depuis un an, presque un an, six mois, que ça a passé. Monter des sans fait. Mais par exemple, un dialogue sincère, parce que pas dans la pratique, nous, par exemple, 4 jours dans le marché pour la vie. Mais, avril, mai, juin de l'année dernière, nous initier vraiment toute une série de discussions avec la classe politique. Nous disons, ce n'est pas seulement lutter, dénoncer les dérives, il faut s'organiser, et si on prend le pouvoir. Mais il n'y a pas arrivé à conclure contre eux. Parce que depuis dit consensus, depuis des négociations en Haïti, ça veut dire, ça veut dire. Donc, je dis à nous, nous une situation côté du grand pays qui quasi, qui presque effondré. Parce que, attention, au grand pays côté que l'institution quasi n'a pas existé, la justice son forme qu'a fait pour les fonctionnaires, mais du droit et du fait au grand justice qui quasiment dysfonctionnel, ou pas un parlement, sinon juste un exécutif qui opérationnel avec toutes les limites que le gagne. Mais, soit regarde la situation population, hein. Son population qui n'a pauvreté extrême, ou inflation de 40%. Moi-même, inflation, c'est français. L'on en paye dans l'espace de un an, par exemple, pour produire que nous consommons chaque jour. Ça veut dire qu'on paye côté que nous sommes dans la pauvreté extrême déjà. Et qu'il y a pour moi en moyenne à 150-200%. Vous voyez ce que ça veut dire que son situation vraiment qui exagérée, qui m'a dit que pour être conscient de réalité ça. Donc, comment pour nous résoudre le problème ça? C'est une question de gouvernance. Donc, il faut que acteurs eux-mêmes, ils de bonne foi, faut qu'ils voulaient vraiment, ils voulaient jouer quatre sous table. Pour que vraiment nous créer institution yo, donc si nous pas créer institution, on a bien même problème là. Et moi garantie, si nous pas résoudre problème ça yo, problème là a posé encore. Par exemple, je dis à, sous font élection sous constitution ça, et bien ou gen mandat 51e législature qui commencé deuxième lundi 2 janvier 2020, ou gen mandat président qui commencé académiquement pour nous le deuxième lundi 2 janvier 2021. Et pour on l'autre, si vous pas d'accord comme ça de toute façon, 7 février par exemple 2022, où mon mandat qui commence. Donc, dans la réalité. Donc, c'est ça que défendons là. Donc, ça veut dire que acteurs, yo, yo doivent lucider pas seulement bataille pour prendre pouvoir, non, mais c'est garder un jeu institutionnel, yo, côté que pour comprendre que nous ne sommes pas capables de faire démocratie sans institution. Donc, si je dis à chaque monde qui a campé ou de bon moi-même, mettez à quoi ça sous table là. Parce que bon problème, c'est pas double, pas besoin d'accord. Chaque monde a accord par un babrayo, chaque monde a mécanisme par yo, chaque monde désigné président par yo, et puis on mettez sous table là. Mais on a l'obéi ça, parce que justement,